Nous ne sommes pas les premiers, mais nous ne serons pas les derniers. La ruche bourdonne déjà. Première salle, les inscriptions. Deuxième salle, une page d'écriture. Sécurité oblige. Ouf, pour nous, c'est le départ. Et il en arrive toujours. Nous allons sûrement battre des records cette année. Nous nous contenterons des 13 km. C'est déjà pas mal. Ce qu'il y a de bien, on se sent pas seul. Nous traverserons de magnifiques châtaigneries. Plus que centenaires. Arrivé à la table d'orientation de Follembert et vu sur le plan d'eau des Collanges. Le Chélard et en toile de fond, le Mont Mézin et le Gerbier. Au loin, Saint-Barthélemy-le-Mail, en dessous, Créas. Très fort celui qui pourra donner un âge à ce châtaignier. Nous arrivons déjà au point de ravitaillement des Ceux, tenu par les randonneurs de Saint-Basile, qui en profitent pour faire un peu de pub pour leur randonnée de juin. Non ? Il faut vous montrer le passeport ? Ah oui, là, il faut... Patte verte ! Au loin, une maison, typiquement ardéchoise. Elle s'est endormie. Et elle dort d'un sommeil de plomb, alors. Deuxième point de ravitaillement, des pommes. On en aura bien besoin car la montée va être un peu raide. Ce rocher a barré le chemin. Les organisateurs l'ont dégagé et solidement calé avec une pierre. Quelle organisation! Eh bien oui, il faut monter là-haut. Ah, c'est donc ça, les classes vertes.
Voilà, après 4 heures de marche, retour à la case départ. Impressionnante la queue pour aller déguster l'omelette. Eh bien, nous n'attendrons que 15 minutes. Chapeau l'organisation. C'est ce qu'on appelle le coup de feu en cuisine. Ils ont servi ce jour 1300 omelettes. Je crois que c'est leur record. C'est un moulinage, ça. Un seul bémol à cette journée. J'avais commandé une omelette cuite sur les galets de Lérieux. Je n'ai pas été servi. À l'année prochaine, peut-être. Sûrement. Pour de nouvelles belles santes.